Salut à tous les gars, c'est Baba. On se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur GTA V. C'est magnifique! Et je tiens à préciser que je n'étais pas au courant de cette supercherie. Étant donné que, bah en fait, en sortant du mode online, j'étais parti sur Franklin à la base. Sauf que le jeu a décidé autrement et m'a donné Trevor sur cette magnifique exécution d'un personnage des Lost. Voilà quoi. J'étais tenté là un petit peu quand même de tout faire péter parce que c'est assez rare de trouver une situation d'embouteillage comme celle-ci. Étant donné que. Ça se fait quasiment jamais quoi. Enfin, c'est peut-être même la première fois que je récupère un personnage et qu'il est coincé dans les embouteillages comme ça. Donc j'avoue, j'étais vraiment tenté là pour faire péter tout ça d'une bombe collante, mais j'ai pensé ensuite à la police, je me suis dit on n'a pas le code de triche, je me suis dit on va pas faire tout péter, et je me suis dit on va rester calme. Et je suis resté calme, j'ai pas tout fait péter, j'ai pas été recherché par la police et j'ai pas fait de code de triche. Wouh, c'est un beau résumé. Et là, je vois ce véhicule tout custom. Déjà, ça me fait bizarre parce que bah, j'avais oublié que je l'avais custom hier. Et en fait, bah, je le trouve dégueulasse. Honnêtement, il est moche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il est moche. J'ai fait ça à l'arrache hier ou quoi. Enfin, j'avais l'air bien bien content de moi hier, mais en vrai, il est moche ce véhicule. Non, en fait, je sais ce qui me perturbe et je vais vous le dire tout simplement. C'est que c'est la première fois en fait tout simplement que je custom le véhicule de Michael en fait. Parce que cette voiture, je la trouve pas super à la base et je la prends rarement. Vu que déjà de base je joue jamais avec Michael, hors mission bien sûr, et ben ce véhicule là je l'ai jamais customisé. Ce qui fait qu'en fait ben le voir customisé ça me fait bizarre et il est pas moche hein. Enfin la couleur faut s'y faire mais franchement on me donne un véhicule comme ça IRL, moi je vais pas leur dire non il est dégueulasse, je le prends pas, franchement je le prends. C'est tout à fait honorable d'avoir un véhicule de cette classe. Non, je déconne, c'est de la merde. Franchement, faudra que je change les couleurs à l'occasion, je pense, même tous les gens, tout, parce que je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'est dégueulasse, honnêtement. Dites-moi en commentaire si je change ou si je laisse ça comme ça. Mais à mon avis, on va laisser ça comme ça un certain temps, mais après on y changera parce que vraiment là c'est dur quoi. C'est psychologiquement c'est dur quoi. Voir un véhicule comme ça là c'est juste éprouvant. Hein. Franchement, j'étais pas préparé moi. En plus, il est pas rapide et tout. Enfin, oh, c'est une catastrophe. Je crois que je vais rapidement acheter un garage et je vais acheter la T20 avec Michael, hein, parce que là, oh, c'est plus possible. Ah, je suppose qu'il faut pas que je rentre par là. Comment j'en étais sûr? Tais-toi, toi. Eh, je suis désolé, c'est bon. Est-ce que ce serait plus par là? Peut-être, hein, peut-être. Hein. Je le sens bien là-bas, moi. Oh. Mais qui passe comme ça, trop normal. Salut, copain. Davy! Comment tu vas? Oh, la voix qu'il a. I know you did a fucking good job.
So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. Or if I lose my temper, someone comes into my office, starts reading my files, they'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can probably get 5 years with you. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Un homme non identifié blanc en surpoids, 45-50 ans peut-être, un infarctus. Voyons ça. Salut! Sur la hanche, l'abdomen indique. Temps pour le booster chez... Un paquet de Redwood. Se réveiller. Salut. Ah, je suis pas mort. Je suis pas mort. I'm not dead. Je suis en caleçon, mais je suis pas mort. Alors, toi, tu l'es par contre maintenant. Où sont mes vêtements? Eh oui. Comment? Peut-être dans notre pièce. Eh ben non, figure-toi que j'étais juste là, en pyjama, prêt à t'accueillir. Rendez-vous. Now. Fouiller la morgue, je sais même plus parler. C'est pas le bon. Peut-être c'est celui-là. J'imagine qu'on ne peut pas juger au corps de son étiquette. Ah ouais. C'est vrai. Là, y'a rien. Ouais, déjà, vous me prenez à découvert, là. Ok. Alors, on va se calmer, les gars. Ouh, mais vous êtes chaud, hein. J'étais censé être mort, moi. C'est tendu. Ok, j'ai un pompe, mais... mitraillette là, je vais rester à l'arme de poing, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, toi tu vas crever, hein. Fallait pas travailler aujourd'hui. Non, c'est pas là. C'est pas là.
À mon avis, il va y avoir dans les couloirs et dans les escaliers, à mon avis, il va y avoir quelque chose. Ah, j'ai pas le temps de liaiser. Faut que j'aille au vert ou au jaune? Au vert. Ok. Hop, on continue son ascension. Hop, t'es die. Là, c'est die. Attention. Je t'ai vu, Sherlock. Je t'ai vu, je t'ai dit. Il y a quoi là-dedans? Ok. Jusque-là, tout va bien. Et la fenêtre. Ah oui. Ouais, bah si je tire à côté aussi. Hop. Oui, dans les poubelles. Ça pue un peu, hein. Mais au moins, on est en vie, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça. Une petite voiture neuve. Super. Non, tu ne m'auras pas. Hop. Petite, comme ça, petite manœuvre. Et ouais, mais je connais la ville comme ma poche, les gars, vous m'aurez pas. Bien sûr, je parle en tant que Michael, hein. Ouais, bah on est bon. Quoi? Arrête, mais l'hélico il regardait même pas dans cette direction. C'est quoi de ce bordel? C'est la faute, t'as pas de chance là. Ok, je sais, on va jouer une autre stratégie. Hop. On va jouer la carte de la sûreté. Salut. Pour l'instant, on est bon. Je veux pas dire, mais là, on aurait dû les semer normalement déjà. Voilà. Salut. Ça a l'air plutôt pas mal là pour l'instant. Ouais.
is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me? Oui, il est déjà là, lui. Yeah, good luck with that. Shit, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things. I ain't proud of them. I never claimed to be an angel. But you knew, Trevor, you swear I am. So what's the move? I don't know. I'm scared. Ciao, bro. Ok, allez où ma caisse? Allez où ma caisse? Bon, bah, je vais rechercher ma caisse tout seul. En tout cas, nous, on va se laisser là-dessus. Vu que, bah, la mission est terminée. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime qui me fait vraiment plaisir. Vraiment, n'hésitez pas, hein, franchement. Hein. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez être mieux pour la suite de la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez assez de connexion et assez de couilles pour le faire. En tout cas, moi j'aimerais qu'on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao bye 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 bye.